Je dirais que pour intégrer la classe libre comédie musicale, il faut avoir envie. Et que c'est vrai que c'est une année qui va demander beaucoup de travail et d'investissement, et je pense qu'on en sort grandi. J'ai choisi de faire la classe libre comédie musicale parce que je cherchais une formation prestigieuse. Je viens d'un monde qui n'est pas du tout en rapport avec tout ça, et je voulais directement commencer avec une formation complète au niveau du chant, de la danse et du théâtre. Je pense que ce que j'ai le plus appris dans la classe libre comédie musicale, ça a été de m'inspirer de chaque personne, de chaque chose qu'elle pouvait m'apporter pour m'en sortir plus grandie. Sur un an, on passe par 1000 phases, on rencontre des personnalités différentes. C'est vrai que c'est un travail de recherche, qu'ils apprennent aussi à plus se connaître eux, à tenter des choses sur le plateau. Je crois que ce qui me plaît le plus dans cette formation, c'est qu'on se retrouve à 19 dans un environnement où il y a tellement de personnes différentes qui réfléchissent différemment, tellement d'artistes différents, qui sont tous motivés. Si tu as envie de progresser, de t'améliorer, de te perfectionner, c'est la bonne place en tout cas pour ça. Si quelqu'un veut intégrer la classe libre, il faut absolument qu'il n'hésite pas à se lancer, à présenter le concours. J'avais jamais fait de danse avant le concours. C'est un nouveau monde pour moi, mais tant qu'on a une histoire à raconter, on a ses chances.